Bienvenue à vous! Oui, bah oui, d'accord, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast. Mais c'est reparti! Voilà, donc juste pour votre information, aujourd'hui on est en 2016, hein, voilà. Non, ça c'est l'année, c'est pas le jour. Et merci, merci bien. Et donc, dans le délire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Donald Trump qui est passé président des États-Unis, hein? Je ne te connais pas. Voilà. Et donc, on peut faire plein de trucs sympas comme lancer le générique, quoi. Alors, j'étais à la Paris Games Week. Tu connais Paris Games Week? Oui, alors Paris Games Week, t'as le logo là, voilà. Très bien, t'as le logo donc dans le délire Paris Games Week. Salut Monique! Donc, dans le délire Paris Games Week, t'as une petite vidéo. Voilà, regarde la petite vidéo, voilà, juste ici. No. Très bien. Alors Paris Games Week, c'est des trucs assez sympas. Enfin, c'est quoi? C'est le salon du jeu vidéo, quoi. On dira jamais assez, quoi. Alors, salon du jeu vidéo, voilà. Donc moi, j'étais sur le stand Mafia 3. Mafia 3, tu connais? Non, tu connais pas. En gros, ça se passe dans le New Bordeaux en 1968, voilà. Et puis moi, j'incarne le joueur de Bonto. Tu sais, le petit magicien qui te prend pour un couillon avec ses gobelets là ou ses cartes, hein? Voilà. Et je t'invite à regarder, donc ça sera pas dans cette vidéo-là, hein, ça c'est une sorte de petite annonce, une petite vidéo comme ça, avant de démarrer vraiment le podcast proprement dit, comme on dit. En gros, c'est une petite vidéo vlog, voilà, qui a été faite par LouloVP300, ou Loulou300VP, hein. Je le remercie, voilà, tu t'abonnes à sa chaîne, hein, le lien est dans la description de la vidéo. Voilà. Et puis, j'ai un petit truc à dire avant, il y avait une putain d'ambiance, voilà, assez sympa. Et puis, j'y vais. Really nigger. Alors, ce qui est sympa dans un podcast, c'est qu'on peut se permettre de dire plein de trucs intéressants ou parfois inutiles. Bah oui, hein, c'est bien logique. Hein, c'est comme si je te disais, et bonjour à tous, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, là c'est mou, il n'y a pas de texte, il n'y a rien du tout, c'est pourri, comme d'habitude. Et les gens qui sont derrière, ils ont un petit peu envie de se suicider. Voilà. Mais on aimerait un fond musical. Merci. Alors donc, on va commencer par parler d'un truc assez intéressant aujourd'hui, les photographes. Et oui, mais à proprement dit cette fois-ci, pas de blabla, les photographes à proprement dit. T'as vu ce qu'ils ont sorti là? J'ai kiffé ma race. Tu veux voir? Regarde, t'as une petite photo là. Oh la vache. Le 5D Mark 4! 4, le 4! Si t'avais le 1, t'avais le 2, t'avais le 3, t'avais le 4. Enfin, comme ça. Le 4. Et voilà. Ça fait des putains de photos, mes amis. Et puis, t'as un lien dans la description de la vidéo aussi. La description, oui, hashtag bafouille. Hein. Et t'as le lien pour aller voir à quel prix il est, quoi. Voilà. Mais le boîtier nu, tu sais, le boîtier nu, genre t'as pas l'objectif, t'as pas le flash, t'as pas ta gueule, quoi. T'as juste l'appareil. Sauf que quand tu le vois, tu vois, ça fait pas comme moi, tu vois. Ça... Genre t'arrives au magasin, ça donne ça. Tiens donc, un magasin qui vend des appareils photos. Oh, celui-là me paraît bien. Mon dieu, le 5D Mark 3. 4. Trop 4. Bah, je vais aller voir. Ouais, je vais aller voir. Ah, puis je vais même me l'acheter, tiens. Alors, j'aimerais vous faire un petit tour de magie quand même, en commençant avec un jeu de cartes. Enfin, celui-là, c'était... C'est un petit peu plus joli. Alors, avec un jeu de cartes où il y a 54 cartes, quoi. Jusque-là, ça va, tu suis? Parfait, tiens, on va faire un petit truc. Tu vas prendre une carte, ok, mais tiens, tu sais quoi? Derrière ton écran, on va tenter un petit truc interactif assez sympa. Tu vas choisir une carte. Alors, si tu arrives à prendre une carte, c'est que tu es vraiment très très fort. Tiens, voilà, je la prends pour toi, hein, on sait jamais. C'est bon? Tu t'en rappelles? C'est bon? C'est parfait? Tu reglisses la carte à l'intérieur du jeu. Peu importe où, tu t'en fous. Tu mélanges ton jeu. Jusque là, ça va, tu suis, c'est bon, ça va. Tu suis, c'est... Alors tu mélanges ton jeu, hein, jusque là tout va bien. Tu vois ou pas? C'est bon. Et alors tu prends une carte. Tiens, je me rapproche, je me mets comme ça. Comme ça tu vois clair. Tu prends une carte. Tiens, par exemple celle-là, c'est le 4 de carreau. Bah, c'est pas ta carte. On est d'accord. Mais si le 4 de carreau, tu vois, tu le poses. Comme ça. Jusque là ça va. Tu le prends.
tu le mets là et tu lui donnes une pichenette. Bah ça devient ta carte. Et c'est ça qui est intéressant. Tu peux même la garder en cas. Je peux pas te l'offrir parce que t'es derrière la caméra, mais voilà. Tu peux même tenter des trucs freestyle avec tes cartes. Ça vole. Alors ça c'est sympa parce que c'est voilà. Voilà. Sur ce, les amis, bah c'est qu'ainsi s'achève. Je suis passé chez Choche. Vous avez un verre d'eau là? Voilà, donc j'aurai peut-être la chance de bosser avec Mr. Coty. Tu connais Mr. Coty? Ou Monsieur Coty, comme on dit. Alors, Mr. Coty, c'est un grand youtubeur, assez connu, hein, je pense que tu connais d'ailleurs. Il a quoi, 420-450 000 abonnés? Comparé à moi, tu vois, moi on voit même plus sur ma chaîne combien il y a d'abonnés. Tu vois juste le nombre de vues. C'était tellement merdique que j'ai dû faire retirer le nombre d'abonnés. Voilà. Et puis, mais par contre, tu peux t'abonner. Tiens, regarde, je te fais une petite vidéo, regarde juste ici, en sous forme de bande, là, tu vois, voilà. Tu vois, regarde, tu peux t'abonner. C'est pas mal, hein. Puis tu peux même cliquer sur les notifications, comme ça, à chaque fois que je mets une vidéo, bah, tu les reçois, quoi. Voilà. Et puis, voilà, donc, c'est qu'ici, s'achève notre podcast, quoi, comme d'habitude, quoi, comme chaque podcast que je fais, qui n'a aucun intérêt. Voilà, mais ça génère quelques vues, voilà. Tu vois, quand je suis au lycée, tu vois, un truc tout con, ça c'est entre nous, ok, c'est entre nous. Là, quand je suis au lycée, tu sais, t'as toujours une bibliothèque au lycée, un CDI, hein. Tu vas au CDI, quoi, et puis tu t'assois sur l'ordinateur, quoi. Enfin, sur le siège devant l'ordinateur, hein, sinon tu... c'est génial. Et, tu ouvres le Chef Show, quoi, ma chaîne YouTube, quoi. Puis tu vois tes vidéos, quoi, et puis ça graille des vues. Voilà. C'est une technique assez sympa, mais bon, après voilà, tu peux te permettre de faire tout un tas de trucs. Ok, les amis, allez, bonne soirée à tous et ciao! Ok, les amis, allez, bonne soirée à tous. Et puis sur ce, bah, moi j'ai plus qu'un truc à vous dire. Aïe, oh putain, je l'ai eu. Oh la vache! Ah putain, il y a une armoire à côté. Ah la vache! Ah putain de merde! Tu vois, ça par exemple, c'est l'état de maman après s'être cogné. Ça fait un peu mal, ça m'a... Aïe. C'est... Ouais. Alors, bonne soirée à tous.